Tout le monde cache sa nature profonde, ce qu'il pense vraiment derrière un sourire de façade, bluffant en permanence. On joue un rôle devant nos amis, ceux qui partagent notre vie, notre famille. C'est ainsi que le monde arrive à bâtir temporairement et en surface un quotidien paisible. Devant Yorick, je dois donner l'impression d'être une épouse modèle. Je ne pourrai jamais lui dire que je me suis mariée pour pouvoir continuer à trucider des gens en paix. Monsieur Windsor, ministre des Affaires étrangères, a rencontré son homologue westalien, monsieur... On va bien voir. Je dois être certain que cet homme ne représente pas une menace pour ma famille. Bon, je vais aller préparer rapidement quelque chose à grignoter. Je vous laisse papoter tous les deux. Voyons, ce n'est pas nécessaire. Et qui voudrait manger ce que t'as touché, pauvre type? Alors, réponds-moi, pourquoi n'avoir rien dit tout ce temps? À vrai dire... J'ai complètement oublié. Hein? C'est-à-dire... Ça m'est sorti de la tête. Et c'est vrai, tiens, c'est simple. J'ai dû oublier que j'avais oublié de te l'annoncer. D'accord, si tu le dis, je suis obligé de te croire. Pardon. Et lui, il marche! Il faudra qu'on t'invite pour te remercier, alors. Tu as vu ça, Yuri? Tu as le beau-frère le plus gentil du monde. Yor n'a pas l'air au courant de la vraie nature de son travail. Un atout de plus dans ma manche, au cas où.